Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente le livre des heures de Anne de la Flotte Médévie aux éditions Buchet-Chastel. Alors Anne de la Flotte Médévie, elle nous emmène au 15e siècle à Paris, suivre Marguerite, une petite fille et fille d'enlumineur, vraiment au cœur du quartier des librairies et des enlumineurs à Paris. Quand cette petite fille n'est pas avec son frère qu'elle adore mais qui est de santé fragile et qui peut pas faire tout ce qu'elle fait, elle se réfugie dans l'atelier pour scruter les ouvriers qui écrase les pigments, elle observe son père, son grand-père faire de la peinture, etc. Et très vite, elle va comprendre que sa vie sera la peinture. On la suit du coup tout au long de sa vie, on la voit grandir, affirmer son caractère un peu inoptable aux grandes dames de sa mère qui la voudrait ranger et marier femme au foyer. Sa vie va être faite de haut et de bas jusqu'à ce qu'elle découvre l'amour. C'est un sublime portrait de femme indomptable et libre malgré une société patriarcale, très patriarcale. Au 15e siècle. C'est le début de la Renaissance, donc il y a vraiment toute cette époque qui est hyper bien retranscrite. Et c'est aussi une ode, un chant d'amour au livre et à la peinture. C'est une petite pépite qu'il faut lire.